en train de dire ceci but I'm saying this à toutes les personnes qui me regardent to all those that are watching que si me, Dieu ne lève pas la main that if God does not lift, si Dieu n'arrête pas ce confinement if God does not stop this self-isolation, ça ne pourra pas s'arrêter it will not stop parce que c'est lui la solution because he is the solution. Parce que c'est lui le chemin because he is the way. C'est lui la victoire he is the victory. C'est lui la vérité he is the truth. C'est lui qui donne la vie he's the one that gives life. Il y a eu certaines personnes there were certain people qui sont atteintes de coronavirus that had coronavirus parce que Dieu a mis sa main dans leur vie and because God laid his hand on them ces gens-là sont guéris these people are parce healed. Que la puissance de Dieu s'est manifestée because the power of God was manifested la Bible déclare ceci and the Bible says crois au Seigneur Jésus Christ believe in the Lord Jesus Christ tu seras sauvé toi et ta famille you'll be saved you and your family toi qui es atteint de coronavirus you that is affected toi by coronavirus toi qui es malade you that is sick toi qui es un homme politique you that is il y a encore la possibilité you, there's still possibility de croire à Jésus Christ for you to believe in il Jesus est capable Christ. De mettre la paix dans nos nations he's able to put peace in our nation parce qu'il est la solution because he's the solution on va prendre Exode chapitre 12 and we'll take Exodus 12 on va lire à partir du 1er jusqu'au 13e verset we'll read from verse 1 to 13 l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte ce mois-ci sera pour vous les premiers deux mois il sera pour vous les premiers des mois de l'année parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites le sixième jour de ce mois on prendra un agneau pour chaque famille un agneau pour chaque maison si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau on les prendra avec son plus proche voisin selon le nombre des personnes vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger ce sera un agneau sans défaut mâle âgé d'un an vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on la mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on les mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne les mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu. Avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous les brûlerez au feu. Quand vous les mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays de l'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai un jugement contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent, car je frapperai le pays d'Égypte. On va prendre 1 Corinthiens au chapitre we'll take 1 Corinthians. 5, le verset 7. 1 Corinthians 5, 17. Je vais lire avec mon interprète. And I'll read with my interpreter. Faites disparaître le vieux levain. Make the unleavened bread. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Be removed for you to be a new bread. Puisque vous êtes sans levain. Because you are unleavened. Car Christ notre Pâque a été immolé. Because Christ our Passover has been burnt. Alléluia. Amen. Bien-aimés, c'est le jour de la Pâque. Beloved, it is the day of Passover. Nous voulons par la grâce de Dieu enseigner sur la Pâque. And by God's grace, we wanted to teach about Passover. Vous savez, il y a beaucoup de choses à dire concernant la Pâque. And you know, there's many things to tell about this event. Que nous ne saurons pas tout dire en 40 minutes ou 45 minutes. That we will not be able to tell in 40 or 45 minutes. Mais ce que je sais ce matin. But what I know this morning. Dieu a une parole pour quelqu'un. God has a word for someone. Afin de pouvoir le fortifier. To strengthen de bâtir sa vie to build his life et de préparer sa destinée and to prepare his destiny. Parce que nous sommes de ceux-là qui croyons because we are of those that believe que Dieu a un plan merveilleux that God has a marvelous plan pour son peuple for his people, pour ceux-là qui croient en lui for those that believe in him, et pour ceux-là qui croiront en lui and for those that will believe in him, en ces temps de confinement in his time of confinement, parce que ce n'est pas encore la fin because it's not the end. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on parle de la Pâque beloved in the Lord, when we speak about the Passover, la Pâque ce n'est pas un mot nouveau the Passover is not a new word. La Pâque de l'hébreu in Hebrew, vient du mot Pascha. The word comes from the word pasha. Pasha qui veut dire pasha, which means l'action de passer. The act to pass over. L'action de
passé. The act to pass over. Cela explique, pardon, ceci. Which explains this. Lorsqu'on parle de la Pâque, when it's speaking about the Passover, on est en train de parler d'une passation. We're talking about a passage. Ou, en d'autres termes, d'un nouveau départ. Or a new beginning. Par through une action qui se pose, an action that is done, pour marquer un temps nouveau. To mark a new time. La Bible déclare ceci dans Exode au chapitre 12. The Bible declares in Exodus 12, que nous venons de lire tout à l'heure, that we just read. Dieu est en train de parler à Moïse. God was speaking to Moses. Parce que Israël était confiné dans le pays d'Égypte. Because Israel was isolated in Egypt. Je l'avais dit dans mes enseignements précédents. And I said it in my previous teachings. Que le confinement n'est pas nouveau. That the self-isolation is not new. Dans l'histoire de l'humanité. In the history of humanity. Et dans l'histoire de la Bible. And in the history of the Bible. Il y a eu des gens de plusieurs manières à plusieurs reprises qui ont été confinés. There were people many times and many ways that were confined. Et vous le savez très bien. And you know it very well. On parle de confinement lorsque on reste sur place. On ne peut bouger ou on ne peut faire exactement ce qu'on veut. We're speaking about confinement where someone cannot move and is restricted to one place. Israël était en Égypte. And Israel was in Egypt. Pendant 430 ans. For 430 years. Ils ne pouvaient pas sortir. They could not exit. De cette nation. They could not leave that sans l'autorisation des pharaons. Without Pharaoh's authorization. Israël est venu dans cette nation. And Israel came to that nation. Ils étaient juste au nombre des 70. There were only 70 of them. Sous la direction de Jacob. Under Jacob's leading. Bien entendu, à cette époque, Joseph était gouverneur dans le pays d'Égypte. At that time, Joseph was a governor in Egypt. Mais lorsque Joseph mourut, but when Joseph died, lorsque Joseph n'était plus là, when Joseph disappeared, alors les pharaons qui avaient pris le pouvoir, the pharaoh that took over, parce qu'il faut reconnaître que pharaon c'est un titre honorifique, c'est comme les rois, c'est comme les ducs. We need to remember that pharaoh is a title just lorsqu'il as a king. Un nouveau pharaon, so when a new pharaoh arose, il ne connaissait pas Joseph, that did not know Joseph, et Israël avait commencé à être maltraité. Israel started to be mistreated. Parce que le nombre des enfants d'Israël se multipliait du jour au jour. Because the people of Israel will multiply. Ça incitait la jalousie des Égyptiens, que dis-je, de leur roi. And the Egyptians or their king became jealous. Et qu'est-ce qui s'est passé? On les a réduits en esclavage. Ils étaient devenus comme des esclaves. And so Israel was reduced to slavery. Ils étaient confinés dans cette nation. They were confined in that nation. Vous allez remarquer à partir d'Exode au chapitre 5. And you'll notice from Exodus 5. Jusqu'à Exode au chapitre 11. Until Exodus 11. Moïse est en train de se batailler selon la mission que le Seigneur lui avait conférée. Moses was fighting according to the mission that he was given by God. D'aller libérer son peuple. To go and deliver his people. Exode au chapitre 3. Exodus 3. Verset 3 à 7. Or 7. Parle de ces choses. Speaks of these comment things. Est-ce que Dieu l'appelle? How God called him. Pendant qu'il est en train de paître les troupeaux de son beau-père Jéthro. While he was pasturing the sheep of his stepfather. Dieu lui donne une mission. And God gave him a mission. Celle d'aller libérer son peuple qui était en esclavage en Égypte. To deliver his people that were slaves in Egypt. Ils sont partis en Égypte non pas comme des esclaves. They did not come to Egypt as slaves. Parce que au temps de Joseph, because in Joseph's on les a time, très bien reçus. They were well welcomed. Mais comme j'avais dit tout à l'heure, but as I said earlier, à un temps donné, at a certain ils commençaient time, à se multiplier. They were starting to multiply. Vous savez, Israël est un peuple béni. And you know Israel is a blessed people. Bénis de par leur père. Blessed from their father. On peut les voir dans Romains au chapitre 9. And we can see it in Romans 9. À partir du 4e jusqu'au 5e verset. From verse 4 to 5. On est en train de parler des privilèges qui sont liés à Israël. We're told about the privileges that Israel privilèges, had. Et ces privilèges, il y en a 9. And there's 9 of them. On dit même que le Christ est sorti d'eux. It is even said that Christ came alors, out of them. À cause des alliances que leur père ont tissées avec Dieu. And because of the covenants that their fathers made Israël with God. Israël jouissait de la bénédiction de Dieu partout où ils pouvaient mettre leurs pieds. Israel was blessed by God wherever they would go. Et à un temps donné, ils avaient le statut d'esclaves parce qu'ils étaient confinés dans le pays d'Égypte. But at a certain time, they became slaves as they were confined in Egypt. Mais ce qui est merveilleux avec Dieu, but what is marvelous with nous God, pouvons être confinés. We may be confined. On peut rester dans nos maisons. We may stay in our homes. C'est pour notre bien. It is for mais our la good. Parole de Dieu ne peut pas être confinée. But God's word cannot be confined. À ce temps-là, so at that time, Israël son temps de confinement était fini en Égypte. Israel's confinement in Egypt was over. Et en ces jours, nous voulons déclarer des choses. And this day we want to declare qui things feront en sorte que that will lead to à un temps donné that a certain time le confinement puisse s'arrêter. That the self-isolation je will ne sais stop. Pas quand est-ce que le confinement va s'arrêter. I don't know when it will stop. Je ne sais pas comment est-ce que Dieu va faire and I don't know how God will do it pour arrêter le confinement. To
stop the self-isolation. Mais ce que je sais, but what I know, parce que Christ est notre Pâque, because Christ our Passover, a été immolé, was burnt, et que le dimanche matin, and on Sunday morning, après sa mort et sa résurrection, after his death and resurrection, il y a eu quelque chose de glorieux qui est arrivé dans l'histoire de l'humanité. Something glorious happened in the history of humanity. Nous croyons qu'aujourd'hui nous scellons quelque chose. We believe that today we are sealing something. À cause de la pensée dont nous pensons à sa mort et à sa résurrection. Because we think about his death and resurrection. Quelque chose de glorieux est en train d'être scellé ce jour. Something glorious is sealed today. Et ces choses auront de l'impact dans les jours à venir. And these things will have an impact in the coming days. Comme je l'ai dit tout à l'heure. As I said earlier. Je ne suis pas en train de dire que. I'm not saying that. Le confinement va s'arrêter lundi ou mardi. Confinement will stop on Monday or Tuesday. Mais je suis en train de dire ceci. But I'm saying this. À toutes les personnes qui me regardent. To all those that are watching me. Que si Dieu ne lève pas la main. That if God does not lift si Dieu n'arrête pas ce confinement, if God does not stop this self-isolation, ça ne pourra pas s'arrêter. It will not stop. Parce que c'est lui la solution. Because he is the solution. Parce que c'est lui le chemin. Because he is the way. C'est lui la victoire. He is the victory. C'est lui la vérité. He is the truth. C'est lui qui donne la vie. He is the one that gives life. Et vous remarquerez ceci. That's why you will notice. Il y a eu certaines personnes. There were certain people qui sont atteintes de coronavirus. That had coronavirus. Parce que Dieu a mis sa main dans leur vie. And because God laid his hand on them. Ces gens-là sont guéris. These people are parce que la puissance de Dieu s'est manifestée. Because the power of God was parce manifested. Que nous savons et croyons que jusqu'à maintenant, il n'y a pas de médicament. Because we know and we believe that until now, there's les no medicine. Chinois ont dit qu'ils ont trouvé un médicament. The Chinese said they found a medicine. Ils ont dit qu'ils ont fini la pandémie. They said that the pandemic mais stopped après, there. On a entendu encore les gens ont recommencé à mourir. But then we heard that people started dying again. Parce que les Chinois, because the Chinese, les Africains, the Africans, les Luxembourgeois, Luxembourgers, les Européens, Europeans, les Américains, Americans, les Australiens, Australians, nous tous nous avons besoin de Jésus. All of us need Jesus. Car il est notre Pâque. For he is our Passover. Il a été immolé. And he was burnt. La Bible déclare ceci. And the Bible says, crois au Seigneur Jésus Christ. Believe in the Lord Jesus tu seras sauvé toi et ta famille. You'll be saved, you and your family. Toi qui es atteint de coronavirus. You that is affected toi by coronavirus. Toi qui es malade. You that is sick. Toi qui es un homme politique. You that is il y a encore la possibilité. There's still possibility. De croire à Jésus Christ. For you to believe in il Jesus est capable Christ. De mettre la paix dans nos nations. He's able to put peace in our nation. Parce qu'il est la solution. Because he's the solution. Alors un temps était venu. So a time came. Où Israël devait sortir. Where Israel had to leave. Vous savez, il y a eu toutes sortes de stratagèmes. There were all types of strategies. Que le Seigneur a donné. That the Lord gave. Pour que Pharaon puisse libérer le peuple. For Pharaoh to deliver his people. Nous voyons ici la présence de Pharaon comme l'image de l'ennemi ou du diable. And we see Pharaoh's presence as the presence of the enemy. C'est comme le coronavirus. It is just like coronavirus. C'est un vent. It is a wind. C'est une pandémie. It's a pandemic. Qui est venue sous la puissance de l'ennemi. That came under the power of the enemy. Pourquoi? Parce que le mystère d'iniquité agit déjà. Because the mystery of iniquity is already mais there. La problématique c'est quoi? But what is the problem lorsque here? Nous lisons Amos au chapitre 3 verset 6. When we read Amos 3:6. Nous savons très bien qu'aucune chose ne peut se faire sans que Dieu puisse le permettre. We know very well that nothing can happen unless God sans allows it. Sans pour dire que Dieu en est l'auteur. Without saying that God is the author. Le diable est en train de frapper. But the devil is striking. Et Dieu a permis. And God allows. Et nous croyons qu'au travers de nos prières. And we believe that through our prayers. En réalisant la puissance de la Pâque. We're realizing the power of Passover. En réalisant la puissance de la mort et de la résurrection du Seigneur. We're realizing the power behind the death and the resurrection of the Lord. Nous pouvons sortir de cette situation et victorieux. We can leave as victorious out of this situation. Exode chapitre 12. Exodus 12. Alors Dieu prend une décision. God takes a decision. Après avoir frappé l'Égypte de plusieurs plaies. After he struck Israel with many plagues. Dieu dit. God said. Il dit quelque chose de merveilleux. And he said something marvelous. Il dit. He said. Au verset 2. Verse 2. Ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. This month will be the beginning of month. Cela veut dire l'année était en cours. Which means the year had already started. Mais le Seigneur veut marquer la Pâque. But the Lord wants to mark un the Passover. Un temps où on veut passer de l'autre côté. A time when we want to go on un the other side. Un temps de passation. A passage. Mais Dieu dit. And God says. Ce mois-ci. This month sera pour vous will be for you le premier mois. The first month. Alors qu'est-ce qui se passe? So what happens? Les Égyptiens, the Egyptians, pour eux c'est pas le premier mois de l'année. For them it's not the first month of the year. Mais pour Israël, but for Israel, Dieu leur dit, God told them, considérez ce mois. Consider this comme month le premier mois de l'année. As the first month je voulais of the dire year, à quelqu'un qui est en train de m'entendre me, que ce mois d'avril est le premier mois de l'année April is the first month of selon the year, les calendriers que Dieu nous donne according to the calendar given parce by que nous God, sommes en train de célébrer la Pâque.
Pâques. Because we are celebrating the Passover. Comme Israël l'a fait en Égypte. As Israel did it in Egypt. La deuxième information que je voulais donner. Second information I wanted to give. C'est la première Pâques. It is the first Passover que tu es né, since you're born, que tu es en train de célébrer, that you're celebrating chez toi à la maison, in your own home. Et tu vas prendre la Sainte Cène à la maison, and you'll take the Holy Communion in your home. Tu es confiné à la maison, you're self-isolating mais c'est la Pâque. But it's the Passover. Israël n'était pas dans leur nation, Israel was not in their mais own ils étaient en train de célébrer la Pâque. But they're celebrating the Passover. Cela était leur premier mois de l'année. And that was the first month of the year. Chose qui n'était pas vraie selon les calendriers des Égyptiens. Which was not true according to the calendar of the Egyptians. Mais selon les calendriers que Dieu a pu mettre en place. But according to the calendar put in place by God. Cela était le premier mois de l'année. That was the first month of the year. Il en est de même pour Jésus. And it is the same for Jesus. Lorsque Jésus-Christ est né. When Jesus was born. On est en train de décompter. They were counting. C'est-à-dire on partait du haut en bas. They were going from the top to mais the end. Mais quand Jésus est né. But when Jesus sa naissance was born, a marqué un changement. His birth marked a change. Où on avait commencé à décompter. When they started counting differently. Il y a beaucoup de discussions par rapport à la naissance de Jésus. There's many discussions about Jesus' birth. Beaucoup de personnes disent qu'il est né à l'an zéro. Many people say that he was born in the year zero. Mais lorsque je fais des recherches, but when I researched, je puis comprendre ceci. I understood this. Que Hérode, the hero qui avait fait le massacre des enfants, that massacred the children. Dans Matthieu au chapitre 2, in Matthew 2, au verset 13 à 16, verse 13 to 16, il est mort à l'an 4. He died in year 4. Alors, s'il est mort à l'an 4, so if he died in year 4, c'est qu'il a été frappé après le massacre des enfants. It means that he was stricken after the massacres of the children. Donc par ricochet, on peut supposer que le Seigneur était né à la même époque. So we can suppose that Jesus was born at that same time. Parce que le massacre des enfants, because when the children were killed, a eu lieu quand Jésus venait de naître. This happened when Jesus was just born. Souvenez-vous de l'histoire des mages. Remember the story of the wise men. Qui était venu pour adorer le fils qui venait de naître. That came to worship the son that was born. Et vous allez remarquer ceci. And you notice this. Jésus venait juste de naître. Jesus was just born. Alors on a sorti une loi. So a decree came out. Pour tuer les enfants de 0 à 2 ans. To kill all the children between 0 to 2 years cela, old. And after that, Hérode était mort. Herod died. À l'an 4 avant Jésus-Christ. At the year 4 before Jesus Christ. À l'an 4 avant Jésus. At the year 4 donc, before en d'autres termes, on dira à l'an moins 4. So at the year minus 4. Et c'est là où Jésus était né. And that is when Jesus si was on doit born. Suivre les historiens. If we have to follow the historians. Et après, and after, selon les calendriers de Dieu, after the calendar of God, on a commencé à compter. We started to count. Parce que la naissance de Jésus-Christ, because the birth of Jesus, a marqué un nouveau temps, marked a new time, une nouvelle saison, a new season. On commençait maintenant à compter. And we started to count. Mais selon les hommes, but according to men, on continue à décompter. We're counting. C'est pour cela que la Bible dit. Differently, and that's why the Bible Jésus says. Jésus a commencé le ministère environ à 30 ans. That's why the Bible says that Jesus started environ his ministry. Environ à 30 ans. At about 30 years. On ne parle pas qu'il a commencé à 30 ans. It is not said that he started at 30. On a dit environ à 30 ans. But we're said approximately 30. That's why you will notice. Les théologiens, theologians, ils nous parlent de la montée du Seigneur, c'est-à-dire l'ascension. They speak about the rising of the Lord. Pour l'an 30. For the year 30. Au lieu de l'an 33. Instead of the year 33. Ce sont des informations. These are just information. Allez les vérifier. Go and verify. Je voulais seulement dire. And I wanted to que say la naissance du Seigneur a marqué un temps. That the birth of the Lord marked a time. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui venait d'arriver. Because something just happened. Qui ne s'est jamais fait. That never happened une before. Une vierge qui n'a jamais connu. A virgin that never has known any man. Être enceinte. She was pregnant. Quelque chose de bizarre. Something strange. C'est vrai dans l'histoire de l'humanité. It is true in the story of humanity. Il y avait une femme de 90 ans qui avait accouché. There was a 99-year-old woman that was cette femme s'appelle Sarah. That woman was called Sarah. Mais elle avait les entrailles. But she had a womb. Son mari pouvait transmettre la semence. And her husband could give her the seed. Mais Dieu marque quelque chose de glorieux. But God marked something glorious. Qui fait en sorte qu'un homme était né. That a man was born. Cet homme qui était né, and that man that was born, il était homme Dieu. He was a man God. Il avait en lui une symbiose. There was in him la semence divine, mixture of the divine avec la semence humaine. With the with the human seed. Dieu, and he was 100% et 100% God. Homme. And 100% man. Il n'est pas né comme tout le monde. And he was not born like mais everyone. Il avait 23 chromosomes comme tout le monde. But he had 23 chromosomes il like everyone. Il n'est pas venu comme tout le monde. He did not come as everyone. Mais il avait une tête. But he had a head. Il avait deux bras. He had two arms. Il avait deux jambes. And he had two legs. Il avait un ventre. He had il avait stomach un dos. And a back. Il pouvait porter la tunique. And he could wear a robe. Que les sacrificateurs that the priests se sont disputés pour ça. Were arguing about. Un homme spécial. A special lorsque man. Lorsque Isaïe parle de lui, il dit and when Isaiah qu'il était un don pour l'humanité.
said it was a gift to humanity. Because he said in Isaiah 9, a child was given. A son was given. C'est ce fils-là qui est notre Pâque. And that son is our Passover. Parce qu'il a été immolé. Because he was burnt. Comme l'agneau. Just as a lamb. Que Israël devait manger en Égypte. That Israel had to eat in Egypt. Alors, ce jour-là de la Pâque. So on that day of Passover. En Égypte. In Egypt. Fait marquer la première mention du mot Pâque. It marks the first mention of the word Sur Passover. Sur le plan théologique. On a theological aspect. There's always. Chaque chose. Each thing. On peut compter dans la vie de tous les jours. That we can count in the everyday. Il y a toujours la loi de la première mention. There's always the law of the Là first mention. Là où la chose a commencé. Where the thing started. Alors les mots Pâque. So the word Passover. Ou la Pâque. Or the Passover. Qui veut dire l'action de passer. Which means to pass a commencé over. Ce jour-là en Égypte. Started that day in Egypt. La Pâque est la recommandation de Dieu. And Passover is a recommendation of the Lord. And he saw the suffering Dieu of his people. Peuple confiné. He saw his people self-isolated. And he took a decision that we may take an animal. And it has to be a lamb. Un agneau qui n'a pas de défaut. A lamb without blemish. Qui doit être immolé. That has to be burnt. Et on doit le manger dans son entièreté. It has to be eaten entirely. On doit le manger avec des herbes amères. It has to be eaten with hastings. Raison pour laquelle quand tu es en Christ, that's why when you are in Christ, tu es l'image de cet agneau. You are the image of the lamb. L'agneau est l'image de Christ. The lamb is the image of Christ. Quand tu crois en Jésus-Christ, when you believe in Jesus, il te dira des choses, he'll tell you things qui seront amères, that will be bitter, qui seront amères, that will be bitter par rapport à toi. Before you. Parce qu'il changera ton style de vie. Because he will change your lifestyle. Ta façon de vivre. The way you live. Mais c'est ça qui t'amènera jusqu'à Cana. But that will lead you to Cana. Parce que si tu ne sors pas du confinement égyptien, because if you do not leave that Egyptian confinement, tu n'arriveras jamais à Cana. You will never be in Cana. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Ce confinement sera marqué dans l'histoire des annales. That confinement will be marked in the Nos story. Enfants vont les raconter. Our children will les enfants speak de nos enfants vont les raconter. And the children of our children will Ils talk vont about dire it. Un jour. They will say one day. 2020. Il y a eu un confinement. There was a confinement. Les gens mouraient en cascade. People were dying. Il n'y avait pas de médicaments. There's no medicine. Et d'ailleurs, on avait sorti un produit. And even the product came out. Aller injecter les gens en Afrique. To inject people in Africa. Mais Dieu n'a pas permis But cela. God did not allow Et it. La puissance de Dieu. And the power of fait God. Fait qu'à un temps donné, did that at a la certain pandémie time. S'est arrêtée. The pandemic stopped. Je voulais dire à quelqu'un. And I wanted to say to someone. Les Égyptiens peut-être mourront. Egyptians can Mais toi, die. Israël, tu ne mourras But pas. Israel, you will not Parce que ton Dieu est en train de te garder. For God is keeping Raison you. Pour laquelle tu vas remarquer. Which is why you will notice. Depuis qu'il y a la pandémie. Since the pandemic tu commences started, à comprendre les choses de Dieu autrement. You start understanding God's Parce things que quelque chose est en train de se passer. Because something is happening. Parce que Dieu veut te faire passer de l'autre côté. Because God wants you to pass over. C'est la Pâque de l'Éternel. It's the Passover. Je voulais le dire Lord. Et le déclarer. And I wanted to declare it. Comme un prophète de Dieu. As a prophet C'est of the Lord. C'est moi d'avril. This month of April. Et le premier mois de l'année. It's the first month of Selon the year. La parole de l'Éternel. According to the word Selon of the Exode, Lord. Chapitre 12, According to Exodus 12. Verset 2, verse 2. Au mois de janvier. In January. Il y a eu des choses que tu devais voir. There are things that you were supposed to see. Ça a raté. And you missed them. Dieu t'a promis des choses. God promised you en 2019. In 2019. Tu les as attendues. And you were expecting Au mois de janvier. Them. In January. C'est pas arrivé. And nothing happened. Au mois de février. In February. Ce n'est pas arrivé. It did not happen. Au mois de mars. In March. Ce n'est pas arrivé. It did not happen. Mais Dieu te dit ceci. But God is telling Au travers you, de cette Pâque, through this Passover, tu es en train de concevoir quelque chose. You are conceiving something. Donc tu vas voir la manifestation. And as you see the manifestation, lorsque le confinement va finir, when confinement will je be parle over, aux hommes I'm speaking to et men aux femmes and to women, prophétiques prophetic qui savent saisir les temps that know how to seize comme the time, le fils d'Issachar. As the sons of Alors, Issachar. Avec de telles prédications, so it's such preaching. Je ne peux pas être calme. I cannot be calm. La Bible déclare ceci. Je n'ai point honte de l'évangile. I'm not ashamed of the gospel. Fugile. For the gospel est une puissance is a power de quiconque to who qui croit. Believes. Et parce que nous avons cru en Jésus. And because we believed in Jesus. Qui est notre Pâque. That is our Passover. C'est le 1 Corinthiens 5. That's why 1 Corinthians 5. Au verset 7. Verse 7. La Bible déclare ceci. The Bible declares. En Égypte. In Egypt. Un animal. An animal. Qui a été immolé. That was burnt. A marqué un temps. Marked a time. Où Pharaon a lâché la prise. Je voulais vous dire en ces jours, I wanted to say today, coronavirus, coronavirus, qui est l'image de Pharaon, that is the image of Pharaoh, va lâcher la prise. Will disappear. Je ne sais pas. I don't know. Quand est-ce que la pandémie va finir? When the pandemic mais will be over. Passer, but something toi, will happen. Toi, tu reçois la protection de Dieu. You receive God's protection. Et à cause de tes prières maintenant, because of your prayers la pandémie now, va s'arrêter. The pandemic will et be tu over. Rentreras à Cana. And you will enter into tu ne feras pas 40 ans dans le désert.
God est en train de t'enseigner des choses dans ta maison, in your house, là où tu es, wherever you pendant 30 jours. For 30 tu as été confiné. You were self-isolated. C'est pour quelque chose de glorieux. It was for something glorious. S'il n'y avait pas de confinement, if there was no self-isolation, your home would not be restored. S'il n'y avait pas de confinement, if there was no self-isolation, tu n'allais pas développer le goût de la parole. You would not develop the taste for raison the word. Pour laquelle, which is pendant why, ce confinement, during the self-isolation, you live times que tu n'as jamais vécu. That you never experienced. Tu n'as jamais prié matin et soir. You never prayed morning and evening. Mais il fallait le confinement. But you needed the confinement. Pour que tu pries le matin. For you to pray in the morning. Pour que tu pries le soir. For you to pray in the evening. Je voulais te dire ceci. And I wanted to tu tell you. Tu ne pries pas pour le confinement. You do not pray for mais the confinement. But you pour pray ta destinée. For your destiny. Des choses qui sont en train d'arriver. For things that are happening. Parce que for l'arrestation de la pandémie. The stop of the c'est pandemic. C'est la volonté de Dieu. Is God's will. Et c'est la décision de Dieu. And it is God's decision. Comme ça a été le cas en Égypte. As it was the time in Egypt, the case in Egypt. C'est Dieu qui a pris la décision. It is God that decided. Je crois peut-être que Moïse commençait à se fatiguer. I think that Moses was Dieu tired. A dit, and God maintenant said, c'est fini. Now it is over. Je marque quelque chose. I mark something. Vous allez passer de l'autre côté. You pass over. Moi-même je passerai. I will pass. C'est comme quand Jésus était à la croix. It is as Jesus was quand on Jésus the cross. À la croix, when Jesus was on les the gens cross, pleuraient. People were les weeping. Femmes pleuraient. Women were weeping. Marie, sa mère pleurait. Mary, his mother, was weeping. Mais qu'est-ce qui s'est passé? But what happened? Pendant qu'il était à la croix, as he was on the cross, il y a eu les ténèbres. Darkness came pendant 3 heures. For 3 hours. Et dans ces ténèbres, and in this darkness, qu'est-ce qui s'est passé? What happened? Jésus-Christ, Jesus Christ, est en train de rendre l'âme. He was giving his soul. Afin qu'il devienne notre Pâque. For him to become our Passover. C'est temps de pandémie. This time of pandemic. C'est comme un temps de ténèbres. It is like a time of darkness. Mais dans ces ténèbres, but in this darkness, tu étais intelligent. You were intelligent. Tu gardais la vie de prière. You're smart to keep your prayer alive. Vous savez quoi? You know why? Il y a tellement d'âmes qui doivent être sauvées au travers de so toi. So many souls need to be saved through you. Dieu n'a pas permis que tu meures. And God did not allow for you to die. Que tu ne mourras pas. And I declare that you will not die. Parce que ton témoignage for your testimony va bouger les nations. Will move the nations. Parce que Christ, for Christ a été immolé. Was burned. Il est mort. He died. Et il est ressuscité. And he resurrected. Que nous passions de l'autre côté. For us to pass on the c'est other ça side. Notre Pâque. And that is our Passover. Il a fait ça une seule he fois. He did it once for all. Il pouvait dire à la croix. He could have said on the cross. Tout est accompli. Everything is ton accomplished. Ton travail est accompli. Your work is accomplished. Ton CDI est accompli. Your fixed ta prospérité contract est accomplie. Your permanent contract ta maison est accomplie. Your prosperity is accomplished. Accomplie. Your house, your peace tu is accomplished. You will notice depuis one thing. Que tu es né, since you were born. Jusqu'à maintenant, until now. Tu t'es jamais senti bien dans ta peau. You never felt good in your own skin. Que Dieu, because only God. Tu avais les parents de ce monde. You have parents ils in this world. Oublier, they may forget et suivre us. Leurs intérêts, and follow their own interests. Dieu décide, but when God decides paix, that I will bring peace to you. He will do it. Israël en Égypte. Israel in Egypt. Ils avaient des enfants. They had children. Mais les parents ne pouvaient rien faire. But parents could not do anything. Pour leurs enfants. For their own children. Ils étaient confinés. They were self-isolated. But when God decided, passé, something. Bien aimé, la main de Dieu. Beloved, God's hand. Est en train de se reposer sur les gens. Is being laid on people's lives. Vous pouvez être choqué. You may be shocked. Je suis à la fin de mon message. I'm at the end of my message. Je suis déjà à la fin de mon I'm message. I'm already at the end of my message. Vous savez quand Jésus. You know when Jesus devait mourir à la croix. Had to die on the cross. Il n'avait pas besoin de 40 jours. He did not need 40 days. Il n'avait pas besoin de 3 ans. He did not need 3 years. Il avait seulement besoin de dire. He only needed to say. Père. Father. Mon père. My father. Mon père. My father. Pourquoi m'as-tu abandonné? Why did you abandon me? Et il espère. And he died. Quand il a dit mon père, and when he said my father, why did you abandon c'est allégorique. Me? That was allegorical. He was saying, père, abandonne-moi. Father, abandon pour me. Que tu t'attaches à eux. For you to cling to them. Afin qu'ils rentrent dans les repos. For them to enter their parce que rest. Je suis la Pâque. For I am the Passover. Alors il savait que and he knew that. Lui, il était avec Dieu depuis le commencement. He was with God since the beginning. Et que quand il va ressusciter, and when he would resurrect, il va nous rejoindre. He will join us again. Dans le mystère que Dieu a créé. In the mystery that God created. Ne te pose pas la question. Do not wonder. Comment la pandémie va finir? How the pandemic comment will coronavirus stop? Va s'arrêter? How coronavirus bien aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. À un temps donné. At a certain time. On va commencer à déconfiner les gens. We'll start to au fur et à mesure. People will be par taken far. By ça va commencer pas à pas. It will start parce step que la gloire step. De Dieu est en train de s'éclater. Because the glory of the Lord parce is there. Parce qu'il y a des entreprises qui sont en train de faire faillite. Businesses are failing. Et la puissance de Dieu. And the power est en train of God. De faire en sorte que is leading je voulais déclarer I wanted to declare, dans cette région luxembourgeoise, in this Luxembourgish dans region, les provinces de la France, in the provinces of dans les provinces France, de la Belgique, provinces of Belgium, dans les provinces de l'Allemagne, provinces of
connectation au Luxembourg. They are linked les to Luxembourg. Taux de mort va diminuer. The je les déclare comme une prière de loi de Dieu. I will declare it as au nom de Jésus-Christ. An anointed man by God. Je vois le sang de Jésus. In the name of Jesus, I see the blood of Jesus. Déversé. Being poured. Dans cette zone. In this zone. Tu as bien fait d'habiter dans cette zone. You did well to live parce in this zone. Parce que je vois le sang de Jésus. For I see the blood of parce Jesus. Parce que le gouvernement. Because the government. Avait une réunion le vendredi. Had a meeting on Wednesday. Mais ils ne savaient pas quoi faire. They did not know what to do. En plus de ce qu'ils ont déjà fait. Above, écoutez-moi le gouvernement. But listen to me, nos prières our prayers sont en train de vous soutenir. Are sustaining you. Et la puissance de Dieu and the power est en train d'établir la paix. Is establishing Dieu me montre ceci. God shows me this. Il y a eu un homme d'État. There's a statesman de cette nation of this nation qui est guéri de coronavirus. That is healed by coronavirus. Par la puissance de Dieu. He's healed of coronavirus. Parce que sa mère était une sœur religieuse. By the power of God, well, his mother was a religious sister. Sa mère était une sœur religieuse. His mother was a religious sister. Et sa maman est décédée il y a 7 ans. And she died 7 years ago. Il y a une puissance de Dieu. There's a power qui est en train de se répandre dans les maisons. That's being poured out in homes. Il y a une puissance de Dieu. There's a power of God. Qui est en train d'affecter les vies. That is affecting lives. Il y a une puissance de Dieu. There's a power of God. Il y a une grâce de Dieu. There's a grace of God. Il y a une grâce de Dieu. There's a grace of God. Christ est notre Pâque. Christ is our Passover. Selon 1 Corinthiens 5. According to 1 Corinthians 5, verset 7. Verse 7. Il a été immolé. He was burnt. C'est lui. He. L'agneau. Is the lamb. Ou les chevrons. Or the goat qu'on a mangé en Égypte. That was eaten in Egypt. Et quelque chose s'est fait. And something happened. Pharaon, Pharaoh, qui avait pris la décision, that took the decision de les garder, to keep them, il n'a pas pu les garder. He could no longer coronavirus do it. Coronavirus va lâcher prise will leave à un temps donné. At a certain time.